Ramana Maharshi, sois ce que tu es. Chapitre 2. Prise de conscience du soi, non-connaissance du soi. La réalisation n'est pas quelque chose qu'il faille gagner de nouveau. Elle est déjà là. Tout ce qu'il faut, c'est se débarrasser de la pensée « je n'ai pas réalisé ». La réalisation, c'est la paix ou la tranquillité. Pas un seul moment le soi n'est pas. Tant qu'il y a en nous du doute ou le sentiment de non-réalisation, il faut essayer de se débarrasser de ces pensées. Elles sont dues à l'identification du soi avec le non-soi. Seul demeure le soi quand le non-soi a disparu. Pour faire de la place, il suffit d'enlever les objets. On n'introduit pas la place de l'extérieur. Il n'y a pas d'action consistant à atteindre le soi. Si le soi était quelque chose à atteindre, cela voudrait dire que le soi n'est pas ici et maintenant, et que c'est quelque chose qu'il faut obtenir. Ce qui est retrouvé peut être reperdu, c'est donc impermanent. Ce n'est pas la peine de lutter pour quelque chose qui n'est pas permanent. C'est pourquoi je dis que le soi n'est pas atteint. Vous êtes le soi, vous êtes déjà cela. Le fait est que vous êtes dans l'ignorance de votre état originel de bonheur parfait. L'ignorance se manifeste en couvrant d'un voile le soi qui est félicité sans mélange. Vos efforts sont destinés uniquement à arracher ce voile d'ignorance, qui n'est autre que de la connaissance erronée. La connaissance erronée est la fausse identification du soi au corps et à l'esprit. Cette fausse identification doit disparaître pour laisser la place au seul soi. La réalisation est à la portée de chacun. Elle ne fait aucune différence entre les aspirants. Les obstacles ne sont rien d'autre que ce doute même que vous avez d'être capable ou non d'y arriver, et aussi l'idée en vous « je n'ai pas réalisé ». Libérez-vous de ces obstacles. Existence est identique à bonheur. Et bonheur est identique à être. Le mot mukti, libération, est particulièrement provocant. Pourquoi devrait-on la rechercher? Nous croyons qu'il y a esclavage, c'est pourquoi nous recherchons la libération. Mais le fait est qu'il n'y a pas d'esclavage, mais simplement libération. Pourquoi lui donner un nom et la rechercher? Ôtez simplement l'ignorance. C'est tout ce qu'il y a à faire. Toutes les questions concernant mukti sont sans objet. Mukti veut dire libération de l'esclavage, ce qui implique un état présent d'esclavage. Mais comme il n'y a pas d'esclavage, il ne peut pas y avoir non plus de libération. Certains occidentaux racontent avoir eu des éclairs de conscience cosmique. « C'est venu comme un éclair, disent-ils, et est disparu de la même façon. » Ce qui a un commencement doit aussi avoir une fin. Il n'y aura de permanence que lorsque la conscience toujours présente sera réalisée. En vérité, la conscience « je suis » est toujours avec nous. Personne ne nie son propre être. L'homme qui dort profondément n'est pas conscient. Dès qu'il se réveille, il paraît être conscient. Mais c'est la même personne.
C'est le même homme qui dormait et qui maintenant est éveillé. Dans son sommeil profond, il n'était pas conscient de son corps, et dans ce cas, il n'y avait pas de conscience du corps. Dans l'état de veille, il est conscient de son corps. La conscience du corps est donc présente. La différence est due à l'émergence de la conscience du corps, et non à une modification dans la conscience véritable. Le corps et la conscience du corps émergent ensemble et sombrent ensemble. Tout ceci revient à dire que les limitations existent dans l'état de veille, mais pas dans le sommeil profond. Ce sont ces limitations qui constituent l'esclavage. Le sentiment « ce corps est moi » est l'erreur. Ce faux sens du jeu doit s'en aller. Le vrai jeu est toujours là. Il est ici et maintenant. Il ne réapparaît ni ne redisparaît. Ce qui est doit subsister pour toujours. Ce qui réapparaît sera de nouveau perdu. Comparez le sommeil profond et l'état de veille. Dans ce dernier état, le corps apparaît, mais pas dans l'autre. Par conséquent, le corps est destiné à être perdu, tandis que la conscience préexistante survivra au corps. Il n'y a personne qui ne dise « je suis ». Le concept « je suis le corps » est la cause du mal. Cette connaissance erronée doit disparaître. C'est cela la réalisation. La réalisation n'est ni l'acquisition de quelque chose de nouveau, ni une nouvelle faculté. C'est seulement la suppression de tout camouflage. La vérité ultime est tellement simple. Ce n'est rien de plus que d'être dans son état originel. C'est tout ce qu'il y a à dire. Sommes-nous plus près de la pure conscience dans le sommeil profond que dans l'état de veille? Les états de sommeil, de rêve et de veille ne sont que des phénomènes apparaissant sur le soi, qui lui-même est immobile. C'est aussi un état de connaissance pure. Peut-on rester à tout moment à l'écart du soi? Si cela était possible, la question pourrait se poser. D'ailleurs, la question pourrait être aussi bien « suis-je plus près de moi-même dans mon sommeil que lorsque je suis éveillé ?» Le soi est pure conscience. Personne n'est jamais à l'écart du soi. La question n'est possible qu'autant qu'il y a dualité. Mais il n'y a pas de dualité dans l'état de pure conscience. La même personne dort, rêve et se réveille. L'état de veille est tenu pour être rempli de choses superbes et intéressantes. Parce qu'une telle expérience fait défaut pendant le sommeil, celui-ci passe pour un état terne. Avant d'aller plus loin, mettons-nous d'accord sur ce point. Admettez-vous que vous existez pendant votre sommeil? Vous êtes la même personne qui maintenant est éveillée, n'est-ce pas? Il y a donc une continuité entre les états de sommeil et de veille. Mais quelle est cette continuité? C'est simplement l'état d'être pur. Il y a une différence entre les deux états. Quelle est-elle? Les événements, à savoir le corps, le monde et les objets, apparaissent dans l'état de veille, mais disparaissent dans le sommeil. Dans le sommeil, il n'y a pas conscience du corps ou du monde. Mais vous devez exister dans votre sommeil pour pouvoir dire à présent « Je n'étais pas conscient pendant mon sommeil ». Qui dit ceci maintenant? C'est la personne qui est éveillée. Le dormeur ne peut pas parler ainsi. Ce qui veut dire que c'est l'individu qui, en ce moment, s'identifie au corps, dit qu'une telle conscience n'existait pas pendant le sommeil. Vous voyez le monde autour de vous
parce que vous vous identifiez au corps et dites alors que l'état de veille est rempli de choses superbes et intéressantes. L'état de sommeil apparaît terne parce que vous n'y étiez pas présent en tant qu'individu et que dans ce cas, ces choses n'étaient pas. Mais quelle est la réalité ? Il y a continuité de l'être dans l'ensemble des trois états, mais pas de continuité de l'individu et des objets. Ce qui est continu perdure et demeure permanent. Ce qui est discontinu est transitoire. Il s'ensuit que l'état d'être est permanent alors que le corps et le monde ne le sont pas. Ce sont des phénomènes fugaces, défilant sur l'écran de la conscience être, qui, elle, est éternelle et immobile. D'un point de vue relatif, l'état de sommeil est plus proche de la pure conscience que l'état de veille, car la pensée « je », le soi individuel, quand elle passe du sommeil à l'état de veille, se met à fonctionner et le mental entre en jeu automatiquement. Dans la foulée, les pensées surgissent et le corps commence à fonctionner. C'est tout cela qui nous fait dire que nous sommes éveillés. L'absence de tout ce processus caractérise le sommeil, et il est donc plus près de la pure conscience que l'état de veille. Mais ce n'est pas une raison pour désirer être toujours endormi. D'abord, c'est impossible parce que les différents états doivent nécessairement alterner entre eux. Ensuite, l'état de sommeil ne peut pas être l'état de félicité dans lequel est le jnani, parce que le second est permanent et non alternatif. De plus, le sommeil profond n'est pas reconnu en général comme étant un état de conscience, mais le sage, lui, est toujours conscient. L'état de sommeil profond diffère donc de l'état dans lequel est établi le sage. Encore mieux, l'état de sommeil est libre des pensées et de leur empreinte sur l'individu. Il ne peut pas être modifié par notre propre volonté, car l'effort est impossible dans cette condition. Bien que plus près de la pure conscience, il ne permet pas la mise en application des efforts nécessaires à la réalisation du soi. Brahma Jnana, c'est-à-dire la réalisation de son être absolu, n'est pas une connaissance à acquérir dans le sens où une telle acquisition nous permettrait d'obtenir le bonheur. C'est notre façon de voir erronée qu'il faut abandonner. Le soi que vous cherchez à connaître est véritablement vous-même. Votre soi-disant ignorance vous cause une affliction irraisonnée, comme à ces 10 écervelés qui se désolaient, croyant avoir perdu l'un d'entre eux. Ces 10 hommes irréfléchis venaient de traverser un courant d'eau à gué, lorsqu'en arrivant sur l'autre rive, ils voulurent s'assurer que tous avaient franchi le ruisseau sans accident. L'un d'entre eux commença à dénombrer ses compagnons, mais en oubliant de se compter lui-même. « Je n'en vois que 9. Nous en avons sûrement perdu un. Qui cela peut-il être ?»« Vous avez bien compté ?» demanda l'un d'eux, et il se mit lui-même à compter. Mais lui aussi n'en trouva que 9. L'un après l'autre, chacun des 10 se mit à compter, chaque fois en s'omettant lui-même. Ils s'accordaient tous à reconnaître « nous ne sommes plus que 9 » et se demandaient quel pouvait bien être celui qui avait disparu. Toute tentative de découvrir le disparu échoua. Quel que soit celui qui s'est noyé, dit le plus sentimental d'entre eux, « nous l'avons perdu ». En disant cela, il éclata en sanglots et les autres firent de même. Les voyant verser des larmes au bord de la rivière, un voyageur compatissant leur en demanda la raison. Ils lui racontèrent ce qui était arrivé et comment. Après avoir compté plusieurs fois, ils n'arrivaient pas à en trouver plus de 9.
En écoutant l'histoire, mais en les voyant tous les 10 devant lui, le voyageur devina ce qui était arrivé. Pour leur faire comprendre d'eux-mêmes qu'ils étaient bien 10 et qu'ils avaient tous survécu à la traversée, il leur dit « Que chacun de vous compte pour lui-même, mais l'un après l'autre en suivant 1, 2, 3, ainsi de suite, pendant que je vous donnerai un coup pour que vous soyez sûr d'avoir été bien compris, et une seule fois dans le dénombrement. » Nous allons ainsi trouver le 10e homme manquant. Entendant cela, ils se réjouirent à la perspective de retrouver leur compagnon perdu et acceptèrent de se soumettre à la méthode suggérée par le voyageur. Tandis que le brave voyageur donnait un coup, à tour de rôle, à chacun des 10, celui qui recevait le coup comptait lui-même à voix haute. « 10 !» dit le dernier qui reçut le coup à son tour. Abasourdi, ils se regardèrent l'un l'autre en disant d'une seule voix « Nous sommes 10 !» Et ils remercièrent le voyageur pour les avoir soulagés de leur détresse. Il s'agit d'une parabole, bien sûr, mais d'où venait le 10e homme ? Avait-il jamais été perdu ? En prenant connaissance du fait qu'il avait été tout le temps présent, ont-ils appris quelque chose de nouveau ? La cause de leur affliction n'était pas la perte réelle de quelqu'un, mais leur propre ignorance, ou plutôt l'idée qu'ils avaient que l'un d'entre eux était perdu. C'est la même chose dans votre cas. Vous n'avez vraiment aucune raison de vous inquiéter et d'être malheureux. C'est vous-même qui imposez des limites à votre nature véritable d'être infini, pour déplorer ensuite de n'être qu'une créature limitée. Ensuite, vous vous lancez dans telle ou telle pratique spirituelle pour transcender des limitations qui n'existent pas. Mais si votre pratique spirituelle elle-même assume l'existence de limitations, comment peut-elle vous aider à les transcender ? C'est pourquoi je vous dis de reconnaître que vous êtes vraiment le pur être infini, le soi. Vous êtes toujours le soi et rien d'autre que le soi. Vous ne pouvez donc pas être ignorant du soi. En réalité, votre ignorance n'est qu'une ignorance imaginaire, comme celle des 10 écervelés par rapport au 10e homme qu'ils avaient perdu. C'est l'ignorance qui a été la cause de leur détresse. Sachez que la véritable connaissance ne crée pas un nouvel être pour vous. Elle vous débarrasse simplement de votre non-connaissance ignorante. Le bonheur absolu n'est pas ajouté à votre nature. Il vous est simplement révélé comme étant votre état naturel véritable, éternel et impérissable. La seule façon de vous débarrasser de votre profonde détresse est de connaître et d'être le soi. Pourquoi cela serait-il impossible à atteindre ? Les gens disent qu'ils ne sont pas capables de faire l'expérience du soi, alors que le soi est partout présent. Que puis-je faire ? Même l'enfant le plus petit dit « J'existe, je fais, c'est moi ». Tout le monde comprend bien que ce « je » est toujours existant. Ce n'est que quand ce jeu est présent qu'existe le sentiment que vous êtes le corps, qu'il est Durand ou Dupont, que celui-ci est Ramana, et ainsi de suite. Pour savoir que ce qui seul est toujours visible est notre propre soi, est-il nécessaire de chercher avec une lampe? Dire que nous ne connaissons pas la vraie nature du soi qui est identique au propre soi de chacun, revient à dire « je ne me connais pas ». Il n'y a pas de but à atteindre. Il n'y a rien à atteindre. Vous êtes le soi. Vous existez toujours. On ne peut rien affirmer de plus du soi que de dire qu'il existe. Voilà.
voir Dieu ou le soi et simplement être le soi ou vous-même. Étant le soi, vous voulez savoir comment atteindre le soi. C'est un peu comme un homme qui, étant à Ramanashramam, demanderait combien il y a de chemin pour arriver à Ramanashramam et quel est celui qui convient le mieux. Tout ce qui vous est demandé, c'est d'abandonner la pensée que vous êtes ce corps et toutes les pensées concernant les objets extérieurs, c'est-à-dire le non-soi. Le soi égo apparaît et disparaît. Il est éphémère, tandis que le vrai soi est permanent. Vous êtes en réalité le soi véritable, mais vous identifiez à tort le vrai soi avec le soi égo. Le soi égo n'existe absolument pas. Vous croyez qu'il vous crée des difficultés, mais qui est en difficulté? Les ennuis aussi sont des produits de l'imagination. Ennuis et plaisirs sont pour l'ego seulement. Ne vous occupez pas du monde. Occupez-vous de vous-même. Laissez le monde s'occuper de lui-même. Voyez votre soi. Si vous êtes le corps, alors le monde matériel est présent. Si vous êtes l'esprit, tout n'est qu'esprit. L'ignorance n'existe que pour l'ego. Enlevez l'ego et l'ignorance s'en va. Cherchez-la. L'ego disparaît et seul le véritable soi demeure. Dans la réalité, il n'y a pas d'avidya, d'ignorance. Toutes les écritures sont destinées à réfuter l'ignorance. L'ego n'a pas d'existence et n'est jamais apparu. Sans quoi, vous admettriez l'existence de deux sois. Comment peut-il y avoir ignorance en l'absence d'ego? Si vous commencez à vous informer, vous trouverez que l'ignorance n'a pas d'existence propre. L'ignorance appartient à l'ego. Pourquoi pensez-vous à l'ego et souffrez-vous en même temps? Encore une fois, qu'est-ce que l'ignorance? C'est quelque chose qui est dépourvu d'existence. Pourtant, la vie quotidienne requiert l'hypothèse d'une avidya. Avidya n'est que notre ignorance et rien de plus. Elle est ignorance ou oubli du soi. Peut-il y avoir de l'ignorance en présence du soi, évident et lumineux par lui-même? Si vous connaissiez le soi, il n'y aurait plus d'obscurité, plus d'ignorance, plus de souffrance. C'est l'esprit qui ressent le trouble et les souffrances. L'obscurité ne vient pas et ne s'en va pas. Tournez vos yeux vers le soleil et il n'y a plus d'obscurité. De la même façon, tournez vos yeux vers le soi et avidya se révélera sans existence. L'irréel n'a aucune existence. Seul le soi existe. Quand vous essayez de suivre la trace de l'ego qui est la base de la perception du monde et de tout le reste, vous vous rendez compte que l'ego n'existe absolument pas, comme n'existe pas toute la création que vous voyez. Connaître le soi, c'est être le soi. Et être veut dire existence, sa propre existence. Personne ne conteste sa propre existence, pas plus que celle de ses propres yeux, même s'il ne les voit pas. Le problème est que vous voulez chosifier le soi de la même façon que vous objectivez vos yeux en vous plaçant devant un miroir. Vous êtes si habitué à ce processus que vous avez perdu la connaissance de vous-même simplement parce que le soi ne peut pas être objectivé.
quel est celui qui cherche à connaître le soi? Est-ce que le corps insensible le connaît? Vous parlez de votre je et vous y pensez, constamment. Et dès qu'on vous interroge, vous refusez de l'admettre. Où est donc la lila de Dieu? Où est sa cruauté? C'est parce que le monde renie le soi que les Écritures parlent de Maya, lila, etc. Soyez certain que votre réalisation aide les autres. C'est la meilleure aide possible. Mais il n'y a pas d'autre à aider. Un être réalisé ne voit que le soi dans les autres, comme l'orfèvre qui, lorsqu'il évalue l'or de différents bijoux, ne voit que l'or. Quand vous vous identifiez vous-même avec le corps, vous ne voyez que figures et formes. Mais dès que vous transcendez votre corps, tout le reste disparaît en même temps que votre conscience du corps. D'ailleurs, est-ce que les plantes, les arbres existent en dehors du soi? Trouvez-le. Vous pensez que vous les voyez. La pensée est projetée à partir du soi. Trouvez d'où elle provient. Les pensées vont alors cesser de surgir et il ne restera que le soi. C'est comme une séance de cinéma. L'écran est éclairé et les ombres voletant d'un côté à l'autre donnent l'impression au public du déroulement de quelque action. Si, dans le même spectacle, on montre des spectateurs qui en font partie sur l'écran, celui qui voit et ce qui est vu seront tous les deux sur l'écran. Appliquez cela à vous-même. Vous êtes l'écran. Le soi a créé l'ego. L'ego a ses concrétions de pensée qui se déploient sous les formes du monde, des arbres et des plantes, au sujet desquels vous vous interrogez. En réalité, tout cela n'est rien d'autre que le soi. Si vous voyez le soi, c'est lui que vous découvrirez être tout, partout et toujours. Rien n'existe à part le soi. Même la pensée « je ne comprends pas » est une entrave. En réalité, seul le soi est. Notre vraie nature est mukti. Mais nous sommes toujours en train de nous imaginer que nous sommes captifs et faisons des efforts vigoureux pour nous libérer, alors que nous sommes parfaitement libres. Cela ne pourra être compris que quand nous atteindrons cet état, mukti. Nous serons alors surpris de constater que nous essayons avec frénésie d'atteindre quelque chose que nous sommes et que nous avons toujours été. Un exemple vous fera bien comprendre. Un homme s'endort dans cette salle. Il rêve qu'il est parti faire le tour du monde, qu'il flâne parmi collines et vallées, forêts et campagnes, déserts et océans, à travers plusieurs continents et qu'après quelques années de voyage, exténuant et épuisant, il revient dans ce pays, atteint Tiruvannamalai, entre dans l'ashram et marche jusqu'à cette salle. À ce moment même, il se réveille et se rend compte qu'il n'a pas bougé d'un centimètre, mais qu'il s'était endormi là où il s'était couché. Son retour dans cette salle ne lui a pas coûté grand effort, puisqu'il est et a toujours été dans cette salle. Cela se passe exactement ainsi. Si on demande « Pourquoi, alors que nous sommes libres, imaginons-nous que nous sommes captifs ?» Je réponds « Pourquoi, étant dans cette salle, vous imaginez-vous courir l'aventure autour du monde à travers collines et vallées et déserts et océans ?» Tout cela, c'est l'esprit, ou Maya, l'illusion. L'ajñāni, celui qui n'a pas réalisé le soi,
voit uniquement le mental qui n'est que la réflexion de la lumière de la pure conscience s'élevant du cœur. Quant au cœur, il en est ignorant. Pourquoi ? Parce que son mental est extraverti et n'a jamais recherché où était sa source. De même que l'eau dans un pot reflète le soleil énorme dans les limites étroites du pot, de même les vasanas, ou tendances latentes de l'esprit individuel, agissent comme milieux réfléchissants, capturent la lumière infinie et omniprésente de la conscience qui s'élève à partir du cœur. L'ajnani qui ne voit que ce reflet tombe dans l'erreur de croire qu'il est un être fini, le soi individuel. Ce sont ces vasanas, ces habitudes de l'esprit, qui sont les obstacles qui entravent la réalisation du soi. Pour surmonter ces habitudes, il faut réaliser le soi. Mais c'est l'ego qui provoque toutes ces difficultés, créant des obstacles et souffrant ensuite de la confusion engendrée par ce qui apparaît comme des paradoxes. Trouvez qui pose les questions et vous trouverez le soi. La nature de l'esclavage est simplement l'apparition de la pensée destructrice « Je suis autre que la réalité ». Comme il est évident qu'on ne peut pas se situer en dehors de la réalité, rejetez cette pensée chaque fois qu'elle surgit. Vous pouvez vous demander pourquoi est-ce que vous ne vous souvenez pas que vous êtes le soi. On parle dans ce cas de souvenir et d'oubli de la plénitude du soi. Oubli et souvenir ne sont que des formes pensées. Elles se succèdent aussi longtemps qu'il y a des pensées. Mais la réalité se situe au-delà. Souvenir et oubli doivent dépendre de quelque chose. Ce quelque chose doit être, en outre, étranger au soi. Autrement, il n'y aurait pas d'oubli. Mémoire et oubli reposent sur la notion du « moi » individuel. Quand on le cherche, ce « je » individuel est introuvable parce qu'il n'appartient pas à la réalité. À partir de là, ce « je » est synonyme d'illusion ou d'ignorance. Savoir que l'ignorance n'a jamais existé est le but de tous les enseignements spirituels. La conscience est jñāna. Jñāna est éternel et naturel. Ajñāna n'est pas naturel et n'a pas de réalité. Après avoir entendu cette vérité, vous pouvez ne pas être satisfait parce que les samskaras, les tendances mentales innées, n'ont pas été détruits. Tant que ces derniers existent, il y aura toujours du doute et de la confusion. Tous les efforts doivent être orientés vers la destruction du doute et de la confusion. Pour ce faire, il faut en couper les racines. Qui sont les samskaras? Ceux-ci deviennent sans effet, grâce à la pratique prescrite par le gourou. Le gourou laisse aux cherchants au moins cela à faire, pour qu'il trouve par lui-même que l'ignorance n'existe pas. Entendre la vérité est le premier stade. Si la compréhension n'est pas assurée, il faut pratiquer la réflexion et la contemplation ininterrompue à son sujet. Ces deux processus dessèchent les graines de samskara au point de les rendre inopérantes. Quelques êtres hors du commun atteignent une connaissance inébranlable après avoir entendu la vérité une seule fois. Ce sont des cherchants avancés. Cela prend plus de temps pour les débutants. L'ignorance n'est jamais apparue. Elle n'a pas d'être en soi.
il n'y a que la connaissance qui soit. Vous ne vous en rendez pas compte à cause des samskaras. Mais trouvez donc qui est celui qui ne réalise pas et ce qu'il ne réalise pas. Alors le fait qu'il n'y ait pas d'ignorance deviendra tout à fait clair. Vous pouvez penser que, par conséquence, vous avez tort de commencer en ayant un objectif. Et s'il y a un objectif à atteindre, il ne peut pas être permanent. L'objectif doit être déjà là. C'est avec l'ego que nous cherchons à atteindre un but, mais ce dernier existe bien avant l'ego. Ce qui est présent dans le but est antérieur à notre propre naissance, c'est-à-dire à la naissance de notre ego. C'est parce que nous existons que l'ego paraît exister. Si nous considérons le soi comme étant l'ego, alors nous devenons l'ego. Si nous le considérons comme le mental, alors nous devenons le mental. Si nous le considérons comme le corps, alors nous devenons le corps. C'est la pensée qui construit différentes sortes d'enveloppes. L'ombre à la surface de l'eau peut paraître agitée. Quelqu'un peut-il arrêter le mouvement de l'ombre? Si ce dernier s'arrêtait, vous ne remarqueriez pas l'eau, mais seulement la lumière. De la même façon, ne faites pas attention à l'ego et à ses activités, mais regardez seulement la lumière qui est derrière. L'ego est la pensée « je ». Le vrai « je » est le « soi ». La réalisation est déjà là. Être libre de penser, c'est le seul état ayant une existence réelle. Il n'y a pas de mécanisme permettant d'atteindre la réalisation. Y a-t-il un seul être qui n'ait pas réalisé le soi? Y a-t-il un seul être qui conteste sa propre existence? Parler de réalisation implique l'existence de deux soi, l'un qui réalise et l'autre qui est réalisé. On pense réaliser quelque chose qui ne l'a pas encore été. Une fois admise notre existence, comment se fait-il que nous ne connaissions pas notre soi? À cause des pensées et du mental. C'est le mental qui fait écran à notre bonheur. Comment savons-nous que nous existons? Si vous dites que c'est à cause du monde qui nous entoure, alors comment savons-nous que nous existons dans l'état de sommeil profond? Vous voulez vous débarrasser du mental, mais le mental peut-il se tuer lui-même? Il ne peut pas se tuer lui-même. C'est pourquoi votre tâche est de comprendre la nature réelle du mental. Vous comprendrez alors qu'il n'y a pas de mental. Dès qu'on aperçoit le soi, il n'y a plus de place pour le mental. On n'a plus besoin de s'inquiéter du mental quand on demeure dans le soi. Mukti ou libération est notre nature propre. C'est un autre nom pour ce que nous sommes. Notre désir de libération est une chose très amusante. C'est tout à fait comme quelqu'un qui, étant à l'ombre, la quitterait volontairement pour aller en plein soleil souffrir de la sévérité de la chaleur et déploierait ensuite de grands efforts pour retourner à l'ombre et s'exclamer dans sa joie « Que c'est agréable d'être à l'ombre! Enfin, j'ai atteint l'ombre !» Nous procédons exactement de la même façon. Il n'y a pas de différence entre nous et la réalité. C'est nous qui imaginons une différence, ce qui veut dire que nous créons ce sentiment de séparation et nous nous lançons ensuite dans de grandes sadhanas, des pratiques spirituelles, pour nous en débarrasser et réaliser l'unité. Pourquoi créer par l'imagination ce sentiment et essayer ensuite de le détruire? Qu'est-ce que le bonheur absolu si ce n'est votre propre être? Vous n'êtes pas séparé de votre être qui est identique au bonheur parfait.
Vous pensez en ce moment que vous êtes le mental ou le corps, qui sont tous les deux changeants et transitoires. Mais ils sont immuables et éternels. C'est ce que vous devriez savoir. Ne pensez pas que vous êtes dans l'obscurité et que vous êtes ignorant. Cette ignorance doit disparaître. Encore une fois, qui dit « je suis ignorant » Ce doit être celui qui est témoin de l'ignorance. C'est ce que vous êtes. Socrate disait « je sais que je ne sais pas ». Est-ce de l'ignorance? Non, c'est pure sagesse. Vous dites que vous êtes triste quand vous êtes chez vous et en paix quand vous êtes en ma présence. Est-ce que ce que vous ressentez ici, c'est du bonheur absolu? Vous dites que vous êtes malheureux quand vous quittez cet endroit. Cette paix n'est donc pas permanente. Elle est mélangée à la tristesse que vous ressentez dans un autre endroit. Vous ne pouvez pas ne rencontrer le bonheur absolu qu'à certains endroits et à certains moments. Pour qu'il puisse être utile, il doit être permanent, comme l'est votre propre être qui est permanent. Soyez le soi, c'est cela le bonheur permanent. Cela, vous l'êtes d'une façon continue. Le soi ne cesse pas d'être réalisé. Il n'est pas nécessaire de chercher à saisir ce qui existait auparavant et existe en permanence. Vous ne pouvez renier votre propre existence. Cette existence est conscience. Elle est le soi. À moins d'exister, il vous est impossible de poser la question. Vous devez reconnaître votre propre existence. Cette existence est le soi. Il est déjà réalisé. C'est pourquoi l'effort impliqué dans cette réalisation n'est qu'investi dans une prise de conscience de votre méprise actuelle, à savoir que vous n'avez pas réalisé votre soi. La réalisation n'est pas quelque chose de nouveau. Le soi est simplement dévoilé. Ne pensez pas que cela prendra des années. Cette idée de temps ne se trouve que dans votre esprit. Elle n'existe pas dans le soi. Il n'y a pas de temps pour le soi. Le temps surgit en tant que concept aussitôt après l'apparition de l'ego. Mais vous êtes le soi, au-delà du temps et de l'espace. S'il était vrai que vous puissiez le réaliser ultérieurement, cela voudrait dire que vous n'êtes pas réalisé maintenant. L'absence de réalisation dans le moment présent peut se répéter à n'importe quel moment dans le futur, car le temps est infini. De la même façon, une telle réalisation serait impermanente. Mais ce n'est pas exact. Il est faux de tenir la réalisation pour intermittente. C'est un état qui est éternel, vrai et non affecté par le changement. Vous êtes déjà cela. Espace et temps ne peuvent pas affecter le soi. Ils sont en vous. De la même façon, tout ce que vous voyez autour de vous est en vous. Il existe une histoire intéressante à ce sujet. Une dame avait un collier autour du cou. Un jour, dans son agitation, elle l'oublia et pensa qu'il était perdu. Elle s'angoissa. Le chercha partout dans la maison sans pouvoir le trouver. Elle demanda à ses amis et à ses voisins s'ils n'avaient pas vu le collier. Mais non, ils n'avaient rien vu. À la fin, un de ses amis lui suggéra gentiment de tâter le collier autour de son cou. Elle se rendit compte qu'il avait été tout le temps autour de son cou et fut remplie de joie. Lorsque les autres lui demandèrent plus tard si elle avait retrouvé le collier perdu, elle répondit « Oui, je l'ai retrouvé. » Elle était encore persuadée d'avoir retrouvé un bijou perdu. Mais l'avait-elle vraiment perdu? Il avait tout le temps été autour de son cou.
Mais rendez-vous compte de ce qu'elle ressentait. Elle était aussi heureuse que si elle avait retrouvé un bijou perdu. C'est pareil pour nous. Nous imaginons que ce soi, nous le réaliserons un jour, alors que nous ne sommes rien d'autre que le soi. Et ne croyez pas que vous ayez quoi que ce soit à faire pour atteindre cet état. La conception qu'il y a là un but et un chemin pour y conduire est fausse. Nous sommes en permanence ce but et cette paix. Tout ce qu'il faut, c'est nous débarrasser de l'idée que nous ne sommes pas la pure paix. Ne pensez pas que les conseils d'un gourou sont nécessaires, car le gourou ne dira rien de plus que je suis en train de dire maintenant. Il ne vous donnera rien que vous ne possédiez déjà. Il est impossible pour quelqu'un d'obtenir de façon permanente ce qu'il ne possède pas déjà. Même s'il l'obtient, cela partira comme c'est venu. Ce qui arrive doit aussi s'en aller. Seul demeure ce qui toujours est. Le gourou ne peut pas vous donner quelque chose de nouveau que vous n'ayez pas déjà. Tout ce qu'il faut, c'est se débarrasser de la notion que nous n'avons pas réalisé le soi. Nous courons partout à la recherche du soi en disant « Où est-il ? Où est-il ?» jusqu'à ce qu'enfin l'aurore de Jnana Drishti, la vision de la connaissance, s'élève et que nous disions « Ceci est le soi. Ceci, c'est moi. » Une fois cette vision atteinte, il n'y aura plus d'attachement même si l'on se mêle au monde. Une fois que vous avez mis vos souliers, vous ne craignez plus les cailloux ou les épines sur le chemin. Vous vous déplacez sans peur et sans crainte, même s'il y a des montagnes sur votre route. De la même façon, tout deviendra simple pour ceux qui ont atteint Jnana Drishti. Qu'y a-t-il à part notre propre soi ? Si le mental disparaît, le monde entier disparaît. L'esprit est à l'origine de tout. Si cela s'écroule, l'état naturel se dévoile de lui-même. Le soi se révèle à tout moment en tant que je absolu. Il est lumineux par nature. Il est ici même. Tout est cela. Nous ne sommes pas ailleurs qu'en cela. Étant cela, pourquoi donc le chercher? Les anciens disent, en faisant en sorte que la vision soit absorbée en jnana, on voit le monde comme Brahman.